Là, dans le NFT, il y a moyen d'encoder, comme c'est une espèce de programme informatique qui fonctionne sur la blockchain, il y a moyen de coder dans la transaction qu'à chaque transaction future, l'artiste, il va toucher quelque chose. Et ça peut être entre... Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me passionne, c'est l'art et comment on arrive enfin à faire cette transition digitale de l'art vers les NFT, le métaverse et le blockchain, dont la blockchain qui entre dans le Louvre. On va discuter aujourd'hui avec toi, Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter? Oui, Olivier Marian, je suis informaticien à la base. Je suis cofondateur d'Arteia. Très rapidement, pour expliquer le chemin, en fait, je suis dans une famille de collectionneurs. Mes parents collectionnent de l'art depuis 50 ans. Et j'ai commencé à essayer de gérer un petit peu cette collection. Comme je suis informaticien, gérer une collection, ça veut dire faire une base de données. Et donc, j'ai étudié un petit peu les solutions qui existaient. J'ai rien trouvé d'intéressant. Et donc, j'ai commencé à développer ma propre solution. Et puis, comme j'investis dans des sociétés, j'ai été contacté il y a 5 ans par deux cofondateurs qui cherchaient à développer le meilleur outil de gestion de collection pour des collectionneurs. Parce qu'il y a des outils qui existaient pour des galeries et des musées, mais il n'y avait pas vraiment d'outils dédiés à des collectionneurs. Donc, on a créé Arteia au début sur cette idée. Et puis, très rapidement, on a vu les énormes besoins de digitalisation du monde de l'art, avant de tout dévoiler, mais pour te raconter un peu la naissance d'Arteia. Et donc, on a rencontré de plus en plus, en allant d'abord voir les artistes et puis les galeristes en leur disant, tiens, est-ce que vous voudriez proposer notre solution à vos collectionneurs? On s'est rendu compte qu'eux aussi avaient des besoins. Et au fur et à mesure, on a beaucoup étudié toutes les solutions de digitalisation, dont les intérêts, par exemple, d'appliquer la technologie blockchain pour gérer tout ce qui est provenance des œuvres d'art. Donc, voilà un peu la naissance d'Arteia. Et justement, parlant de blockchain, donc tu as une actualité autour de faire entrer la blockchain dans le Louvre. Est-ce que tu peux m'en parler? Oui, on a été contacté par un artiste qui s'appelle Stéphane Breuer, avec qui on continue à faire d'autres projets maintenant. Stéphane avait un projet très intéressant parce qu'il a travaillé avec le Louvre. Il a eu l'autorisation pour son travail d'aller dans le Louvre prendre une photo haute définition d'une œuvre classique italienne qui était dans le Louvre. Et puis, il a utilisé cette image. Il travaille beaucoup sur cette idée d'histoire de l'art, de transmission, de reprendre toujours cette histoire de l'art. Et donc, ensuite, il utilise des images pour créer des œuvres sur un matériel physique, métallique, sur lequel il va réimprimer des œuvres. Je schématise et il vaut mieux aller voir son travail pour comprendre. Le Louvre a beaucoup apprécié son travail et lui a demandé une copie de cette œuvre pour mettre dans ses archives. Il nous a contactés, il avait vu notre travail, et il nous a dit, mais j'adore votre solution d'authentification des œuvres. Et donc, j'aimerais, avant de remettre cette œuvre au Louvre, pouvoir mettre dessus la puce Arteia, qui est donc une puce d'authentification. Alors, je vais expliquer un petit peu ce que c'est avant de dire comment on a fini au Louvre. L'idée, c'est on a des petites puces, ben, j'en ai ici comme un petit autocollant, Oui, c'est puce Arteia, qui est une puce d'authentification. C'est une puce NFC, c'est ce que vous avez dans vos cartes de crédit pour faire du paiement sans contact. Et donc, n'importe quel téléphone, je peux utiliser mon téléphone portable, je vais scanner cette puce, je vais m'approcher de cette puce et je vais lire une information. L'idée, c'est à travers cette puce de faire un lien entre l'œuvre d'art physique et son certificat d'authenticité, son passeport digital, qu'on stocke dans une base de données qui est sécurisée sur la blockchain. Ça va très vite, hein. Tout de suite, on donne beaucoup d'informations un petit peu techniques, je ne connais pas l'audience, mais donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est-à-dire aujourd'hui, comment ça se passe traditionnellement dans le monde de l'art, j'achète une œuvre d'art. En général, l'artiste ou la galerie va me fournir un certificat d'authenticité papier qui valide le fait que l'œuvre d'art que j'ai achetée est une œuvre authentique, avec dessus, en général, une photo, une description de l'œuvre, les dimensions, le titre, la date, des choses comme ça. Le problème, évidemment, c'est que je peux perdre ce papier, ce papier peut brûler, je peux aussi avoir des faux sur ce papier assez facilement. Et donc, aujourd'hui, ça paraît assez évident de digitaliser ce papier, l'original du papier, et de créer une version digitale d'un
un peu un passeport digital. Et pour aller plus loin dans la sécurisation, on a aujourd'hui des technologies assez intéressantes pour la sécurisation d'informations comme ça, notamment la technologie de la blockchain, qui permet, l'analogie souvent utilisée, c'est de dire qu'on met une copie dans un coffre que tout le monde peut contrôler, que tout le monde peut visualiser, mais personne ne peut aller modifier cette copie. Et donc, je suis un artiste, je crée une œuvre d'art, j'écris le certificat digital, je l'envoie sur la plateforme Arteia, et il y a une copie qui est écrite sur la blockchain. Et ensuite, je colle sur mon œuvre une étiquette, et quand je vais vendre l'œuvre, le collectionneur va pouvoir scanner l'étiquette, la petite puce NFC qui est sur l'œuvre ou sur le certificat d'authenticité papier qui est quand même donné avec, et va arriver sur ce certificat digital qui est sécurisé sur la blockchain. Donc, on a un lien parfaitement sécurisé entre une œuvre physique et son passeport digital. Et c'est ce qu'on a fait avec Stéphane Breuer pour le Louvre. Et donc, il y a une puce Arteia qui est rentrée dans les archives du Louvre avec un certificat quand même papier, parce que c'était demandé par le Louvre. Mais ce qui est très intéressant, c'est que Stéphane Breuer a parfaitement compris que, en fait, ce certificat papier, dans l'absolu, le bout de papier n'a pas une grande importance. Ce qui est important, c'est la puce qui permet de faire le lien vers le certificat digital. Et donc, le certificat qu'il a délivré, en plus de son œuvre au Louvre, aux archives du Louvre, c'est une feuille blanche avec deux traits comme une cible et juste la puce Arteia dessus. Puisqu'en fait, ce qui est écrit sur le papier n'a pas beaucoup de valeur, c'est très facilement falsifiable. Ce qui est important, c'est la version digitale sécurisée sur la blockchain qui est sur nos serveurs. Voilà. C'est le travail qu'on a fait avec Stéphane. J'ai vu que sur l'Apple App Store, il y a des applications Arteia. Donc, oui. J'en ai vu trois. Est-ce que bon, moi, je suis un collectionneur d'art, je suis un futur acheteur d'une œuvre. Est-ce que je peux, avec une de ces applications, pouvoir, on va dire, scanner l'identité pour pouvoir vérifier l'authenticité de cette œuvre que je pourrais éventuellement acheter? Absolument. Donc, l'idée, c'est vraiment ça. C'est qu'en fait, l'artiste, lui, il est maître de l'information du passeport digital qu'il crée. Donc, c'est lui qui va dire, voilà l'image officielle de l'œuvre d'art que j'ai créée. Voilà son titre officiel, ses dimensions officielles, la date de création et mon nom en tant qu'artiste créateur de cette œuvre. Donc, je crée mon passeport digital. Je mets une puce qui est reliée à ce passeport digital sur mon œuvre d'art. Ouais. Et quand je vends cette œuvre, j'espère que cette œuvre va se transmettre de collectionneur en collectionneur. N'importe qui peut télécharger l'application Arteia gratuitement, l'application de gestion d'authentification Arteia. Et donc, avec cette application, je viens m'approcher de l'œuvre d'art et je scanne la puce et je vérifie le certificat d'authenticité puisque je me retrouve connecté à la version digitale qui est sécurisée sur la blockchain. Donc, cette application, effectivement, elle permet à n'importe qui, ça peut être, on peut imaginer dans une foire d'art, le tableau est accroché à un mur et la puce est à côté et n'importe qui va pouvoir vérifier l'authenticité de l'œuvre avant de l'acheter dans une galerie d'art, dans une foire ou chez soi, tout simplement. Donc, effectivement, c'est une application qui est disponible pour tout le monde. Concernant les NFT, hier, j'étais sur Twitter et maintenant Twitter me demande éventuellement de remplacer ma photo de profil de Twitter par un NFT. Bon, c'est disponible aujourd'hui dans plusieurs pays, dont les US. Est-ce que si demain j'achète une œuvre d'art avec ce passeport digital Arteia, est-ce que j'ai en plus une sorte de reproduction digitale, un NFT que je pourrais éventuellement montrer en disant bah là, je suis fier d'être propriétaire de cette œuvre que je pourrais éventuellement montrer sur mon profil de Twitter? Alors, oui, si l'artiste l'autorise. C'est-à-dire que tu soulèves plein de questions très intéressantes là d'un seul coup. Donc, je ne sais pas quelle est la connaissance de nos auditeurs sur les NFT. Donc, peut-être très rapidement dire ce que c'est qu'un NFT. Donc, en tout cas, ma vision d'un NFT, c'est un certificat de propriété digitale très sécurisé de quelque chose. À l'origine, les NFT, c'est la plupart du temps encore un certificat de propriété d'une œuvre digitale elle-même. C'est né principalement d'artistes digitaux qui créent aujourd'hui, moi j'ai 51 ans, mes enfants, ils passent leur temps sur le digital. Hein, et donc, c'est naturel qu'il y ait de plus en plus d'artistes qui, naturellement, au lieu de peindre sur un tableau avec un pinceau et de l'encre, ils vont créer digitalement. Quand je crée une œuvre digitale, le problème, c'est que par essence, elle est très facilement copiable. Donc, comment est-ce que je peux créer de la valeur pour un collectionneur? Je vais dire que je vais créer, mettons, une version unique officielle ou une édition de 10, par exemple. Et je vais créer donc 10 certificats qui disent
Voilà, la personne qui achète ce certificat, elle a une version officielle de cette œuvre-là. Et donc, il y a une certaine valeur puisque je limite à travers ces certificats le nombre de copies possibles de cette œuvre. Ça existe en fait dans le monde de l'art. Dans le monde de l'art, on pense souvent au tableau, mais dans l'absolu, il y a aussi de la photo, il y a de la vidéo, des sculptures où il y a des éditions. Et donc, en général, par exemple, je donne souvent l'exemple de Bill Viola. Bill Viola, c'est un artiste qui fait des vidéos, c'est un artiste à ses côtés. Et quand on achète une œuvre de Bill Viola, on reçoit un fichier sur un DVD. Donc, c'est une œuvre digitale, en fait, avant l'heure. Hein. Tout le monde parle maintenant de crypto-art et comme si c'était tout à fait nouveau, mais ça fait des années que ça existe. La photo, c'est la même chose. Quand j'achète une photo, en général, j'achète une impression sur un diasec d'une photo. Si je la casse, je peux demander au studio de me refaire avec le prix d'un tirage éventuellement. Mais en fait, j'achète une édition d'une œuvre digitale. Donc, en général, dans le monde traditionnel, je reçois un certificat d'authenticité, l'œuvre, et puis en fait, ce qui me sert de certificat de propriété, souvent, c'est ma facture. Pareil, c'est pas très safe une facture, c'est mal formulé, peut-être l'œuvre est mal décrite sur la facture. Et donc, un NFT, c'est une version digitale moderne, très sécurisée et très intéressante par plein d'autres points, on pourra en parler, d'un certificat de propriété digitale. Donc, je reviens à ta question. J'ai acheté une œuvre d'art classique, ouais. Un tableau. Est-ce que je peux avoir un NFT qui dit que je suis en plus propriétaire d'une version digitale, donc d'une image ? Oui, si l'artiste accepte de te donner, en plus de l'œuvre physique, la propriété, le droit d'utiliser une image de son œuvre. Parce que ce qui est très intéressant avec les NFT, c'est que beaucoup de gens oublient totalement les lois de propriété intellectuelle. Quand on achète un tableau, on n'est pas propriétaire de l'image, de la propriété intellectuelle liée à cette image qui est sur le tableau. Si j'achète un Picasso, je n'ai pas le droit de faire des t-shirts, de prendre une photo de mon tableau et d'imprimer des t-shirts et de vendre des t-shirts qui montrent cette image parce que je reproduis l'image de l'artiste et la propriété intellectuelle de cet artiste, par défaut, elle appartient à l'artiste. Ça, c'est vrai, en général, jusqu'à 70 ans après la mort de l'artiste. Picasso, typiquement, je n'ai pas le droit de faire ça. Si je prends un peintre italien classique d'il y a très longtemps, là, je vais avoir le droit. Dans l'absolu, je peux prendre une photo de la Joconde, j'ai le droit de faire des t-shirts de la Joconde et j'ai le droit d'essayer de les vendre. Je ne suis pas sûr qu'il y a plein de gens qui vont être intéressés, mais j'ai le droit. Donc là, quand je crée pour Twitter, je reviens à ta question, j'ai acheté, mettons, un tableau de Picasso et j'ai envie de mettre cette image dans mon Twitter. Par défaut, je n'ai pas le droit. Ouais. Il faut que je demande à la Fondation Picasso, est-ce que j'ai le droit d'avoir une image et j'ai le droit de la reproduire en la montrant sur mon compte Twitter. Donc, c'est extrêmement intéressant ce que tu dis parce que, en fait, tout ça va plus vite que la loi et que plein de choses. Donc, les gens sont super excités par toutes les possibilités qui s'offrent aujourd'hui à travers le digital. Mais il faut faire un petit peu attention en se disant, attention, il y a quand même des artistes. Leur moyen de vivre de leur art, c'est la propriété intellectuelle qui est liée à leur travail. Et donc, il faut essayer d'un petit peu suivre ça. Maintenant, il y a des artistes qui sont très contents de le faire et qui vous accorderont très facilement ce droit-là parce que ça va faire du buzz, de la publicité, ça va montrer leur travail ou tout simplement, ils sont très contents que vous partagiez. Mais par défaut, même si j'achète une œuvre digitale, je n'ai pas le droit de la reproduire publiquement. Et encore moins avec des aspects potentiellement commerciaux. Donc, si je suis un influenceur, par exemple, et que je gagne de l'argent en faisant des vidéos sur YouTube, eh ben, normalement, je ne devrais pas avoir le droit, je devrais demander à l'artiste le droit de reproduire en avatar ou en logo une œuvre d'art pour quelque chose qui n'est pas dans le domaine public. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis, en tout cas, sur ces NFT et sur cette ouverture de Twitter. Cette ouverture de Twitter qui montre bien l'impact aujourd'hui des NFT et à quel point, pour qu'une plateforme comme ça ait fait l'effort de développer cette fonctionnalité, ça montre bien à quel point de plus en plus de jeunes et de gens sont intéressés et commencent à collectionner des NFT, dont certains pour lesquels les artistes donnent le droit de reproduire. Et donc, les gens avaient très envie de pouvoir mettre ça en tant qu'avatar. Donc, ils font ça sur WhatsApp ou sur Discord ou autre, mais ils ne savaient pas encore le faire sur Twitter et maintenant, ils peuvent le faire sur Twitter. Et justement, toi qui, de par ce que tu me disais, que tu es passionné par l'art, que de par ta famille, vous avez collectionné de l'art,
aujourd'hui, on essaie de faire le lien entre l'art et les NFT. Quel est ton point de vue? Est-ce que justement ces fameux NFT qu'on peut mettre maintenant sur ces fameux photos de profil Twitter vont démocratiser l'art? Est-ce que comment vois-tu les NFT et l'art? Alors, ce qui est très intéressant, moi, j'essaie d'éviter un petit peu tous l'aspect caricatural. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de NFT à travers des ventes complètement, j'allais dire délirantes pour moi, des montants assez importants qui vont très, très vite sur des ventes de NFT de choses qui sont en plus souvent pas de l'art. C'est-à-dire qu'on a un peu mélangé, on a dit NFT, c'est de l'art. NFT, c'est un certificat de propriété digitale. Donc, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, ça va sûrement se développer pour des titres de propriété, je dis n'importe quoi, de l'immobilier, lié à du cadastre, quoi, des choses comme ça. Pourquoi pas plus tard à ma voiture, pourquoi pas à mon iPhone, de savoir exactement ce que j'ai acheté. Donc, c'est un certificat de propriété. Mais à l'origine, l'aspect que j'aime bien, moi, j'essaie de trouver des aspects un peu positifs, l'aspect que j'aime bien, c'était vraiment une communauté, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, de plus jeunes artistes qui ont, ou moins jeunes d'ailleurs, mais qui avaient envie de créer de façon digitale et qui se retrouvaient un petit peu exclus du monde de l'art. C'est comme la photo et la vidéo, dans l'absolu, qui reste une portion très marginale du monde de l'art, qui est plus la peinture, de par son unicité. Et puis, c'est comme ça, traditionnellement, c'était plus la peinture, la sculpture. Et puis, un petit peu à côté, on avait la photo et la vidéo. Aujourd'hui, on a l'œuvre digitale, la création digitale, on va dire, plus récente, vraiment, je suis sur un iPad et puis je crée une animation, je crée une vidéo sur mon ordinateur. Ces artistes-là, ils avaient du mal à rentrer dans le monde de l'art et à vivre de leur art. Ce qui était très intéressant, c'est que le coût de création d'une œuvre d'art, en tout cas de transmission, il est très faible quand c'est une œuvre d'art digitale. Quand c'est une œuvre d'art physique, si je vais dans une galerie et que j'achète un tableau, la galerie va devoir m'expédier le tableau. Moi, je vais devoir le mettre quelque part. En général, je vais essayer, s'il a un peu de valeur et que je lui attribue de la valeur, je vais devoir l'assurer. Je vais devoir essayer de faire attention en préservation de l'œuvre, à la lumière, à la température, des choses comme ça. L'œuvre digitale, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle coûte moins cher à produire a priori. Il faut acheter un ordinateur, il faut acheter quelques logiciels éventuellement. Mais la création va être beaucoup moins chère. Et donc, ça a permis à des jeunes artistes digitaux de créer et de vendre moins cher les œuvres. Quand une œuvre, pour commencer en tout cas, quand une œuvre me coûte 100 euros à produire parce que je dois acheter, je dois avoir un studio, je dois avoir de la peinture, je dois avoir des toiles, des cadres, tout ça, ça prend de la place, ça coûte de l'argent et c'est difficile de vendre une œuvre 5 euros ou 10 euros. Il y a eu beaucoup de choses très intéressantes de jeunes artistes digitaux qui ont commencé à vendre des œuvres 5 dollars, 10 dollars, et qui ont commencé à se créer une communauté et à faire du volume et tout d'un coup à vivre de leur art. Il y a des très belles histoires d'artistes qui vivaient vraiment dans des conditions très précaires et qui ont commencé à pouvoir louer un appartement et puis payer un appartement à leurs parents. Enfin, c'est vraiment des choses, des belles histoires, des success stories très intéressantes qui ont vraiment eu lieu grâce à cet écosystème qui était vraiment totalement à part du monde de l'art traditionnel. C'est des gens qui créent eux-mêmes leur communauté. C'est pas du tout des gens qui étaient d'abord reconnus par une galerie et puis ensuite montrés et puis tout le schéma traditionnel. Donc, il y a vraiment des choses très, très intéressantes dans l'origine, si on peut parler de crypto-art, des artistes digitaux. Après, il y a des choses un petit peu plus étonnantes qui sont tout ce qui est collectibles, donc les crypto-punks, les apes, enfin, ce sont des... D'ailleurs, en général, les gens qui font ça ne prétendent pas être des artistes. Ce sont plus des informaticiens qui créent une collection d'objets rares et puis qui les vendent. Et puis en ce moment, avec succès, parce qu'il y a beaucoup de monde qui a beaucoup d'argent dans le monde crypto et il y a pas mal de spéculation. C'est très difficile toujours de faire la limite entre ce qui est de l'art et ce qui n'est pas de l'art. Mais voilà, donc ma vision NFT, moi j'essaie d'être plutôt positif de tout ça, je cherchais le mot positif, et de voir les aspects positifs. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont pu vivre de leur art grâce au NFT. C'est très facile d'acheter un NFT, de le revendre tout de suite, et donc ça crée ce qu'on appelle une liquidité en termes financiers, puisque j'achète et je revends tout de suite sur une plateforme.
puisque l'œuvre digitale, ce que je possède à travers mon NFT, en fait, j'ai juste à la télécharger derrière. Quand j'achète un tableau, ça va mettre du temps avant de le recevoir. Et si je veux le revendre, ça va mettre encore plus de temps de le remettre dans une galerie ou en maison de vente aux enchères. Et puis que le tableau soit physiquement envoyé, que je reçoive l'argent. Donc, il y a vraiment des dynamiques très intéressantes. Ce qui est extrêmement intéressant aussi, c'est la transparence. La transparence des NFT. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'avec un NFT, je sais exactement quand il a été créé, par qui. Et je sais toutes les transactions qui ont eu lieu. Alors, ça fait peur à certains acteurs. Hier, je parlais avec des gens qui n'étaient pas très contents de ça parce qu'ils étaient habitués au monde traditionnel de l'art qui est un petit peu opaque de temps en temps. Ouais. Ou en tout cas, qui croyaient que l'opacité était intéressante pour préserver des informations. Et là, en fait, il y a vraiment des nouveaux acteurs qui veulent de la transparence. J'achète un NFT, je suis capable de voir tout l'historique de toutes les transactions qui ont eu lieu, quand, à quel prix et même par quel numéro de compte. Je ne sais pas qui est derrière un numéro de compte, mais je sais qui a acheté ça. Donc, éventuellement, je peux voir que c'est un collectionneur qui a beaucoup d'autres œuvres intéressantes qui avait à un moment cette œuvre d'art et à qui je le rachète. C'est vraiment intéressant. Il y a en plus des choses qui ont vraiment servi les jeunes artistes, c'est cette idée de royalties, donc de droit de suite, hein, ce qu'on appelle en France. L'idée, c'est je suis un artiste, je crée une œuvre, je vais la vendre 50 euros. Et puis, au fur et à mesure, je vais être de plus en plus connu et mes œuvres vont se vendre de plus en plus cher sur ce qu'on appelle le second marché. En général, dans la vie réelle, souvent, l'artiste ne touche plus rien sur la suite. Il y a une loi qui existe en France qui doit normalement lui permettre de toucher un petit pourcentage. C'est très faible, hein. C'est vraiment très faible. C'est au maximum 14 000 euros, quelque chose comme ça, ou 12 000 euros, je crois. Donc, quand on imagine un tableau qui est vendu des millions après, l'artiste, il va toucher maximum 14 000 euros sur la transaction future. Là, dans le NFT, il y a moyen d'encoder, comme c'est une espèce de programme informatique qui fonctionne sur la blockchain, il y a moyen de coder dans la transaction qu'à chaque transaction future, l'artiste, il va toucher quelque chose. Et ça peut être entre 0 et 10%, mettons, des transactions. Et ça a beaucoup servi à cette idée de création de communauté et de valoriser le travail de l'artiste. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses très, très intéressantes. Après, comme je l'ai dit, ça a été créé un petit peu par des gens qui étaient exclus du marché de l'art et qui se disaient, nous, on va créer notre système à nous. Et on ne veut pas qu'il y ait de nouveau ce gros problème d'être sélectionné par une galerie et puis d'avoir des foires d'art où les gens sont invités ou pas invités, certains sont exclus. Et en fait, malheureusement, on voit que le marché il s'organise et qu'il a recréé beaucoup de choses comme ça. C'est-à-dire que les plateformes de vente NFT, rapidement, comme elles ont eu beaucoup de succès, elles ont commencé par filtrer un petit peu qui avait le droit de vendre ou pas vendre. Et donc, il y a beaucoup de ces galeries qui ont commencé à recréer ce système un petit peu de filtrage en disant nous on considère cet artiste là il est intéressant parce qu'on n'a pas de la place pour tout le monde et on va devoir filtrer. Donc malheureusement il y a aussi potentiellement des manipulations de marché, il y a de l'influence, il y a plein de choses un petit peu plus négatives, mais il y a vraiment des choses très très positives. Et ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point le marché de l'art traditionnel essaye de voir et de s'approprier un petit peu et d'aller à la rencontre, c'est vraiment beaucoup plus intéressant qu'à l'encontre, à la rencontre de ce nouveau phénomène. Donc, on voit les plus gros acteurs très rapides à réagir, Christie's, Sotheby's, qui ont organisé non seulement des ventes de NFT, mais qui ont commencé à accepter le paiement en crypto-monnaie, ce qui est un truc qui était impossible à imaginer il y a 3 ans, hein, ou il y a 2 ans. C'est vraiment un bouleversement qui a eu lieu en même temps que le Covid, mais avec ces digitalisations et ces NFT qui sont arrivés. Et puis, on voit des artistes, il y a Damien Hirst qui a fait un projet super intéressant pour essayer de faire le lien justement ou la confrontation entre qu'est-ce qu'une œuvre physique et qu'est-ce qu'une œuvre digitale en proposant d'acheter, il a fait 10 000 dessins différents, on pouvait acheter ce dessin et ensuite il fallait choisir si on voulait la version digitale et à ce moment-là il détruisait la version papier ou si on voulait la version papier et il détruisait le NFT qui était le certificat digital. Donc, c'est assez intéressant. Il y a des artistes qui commencent à réfléchir à tout ça, à cet impact. Il y a Urs Fischer qui fait beaucoup de choses. Et puis, il y a de plus en plus de galeries qui essayent d'emmener des artistes pour qui ça a un sens vers ce monde des NFT. Il faut que ça ait un sens. Si quelqu'un qui a fait de la peinture toute sa vie, tout d'un coup décide de faire des NFT, je ne suis pas sûr que ça marche. Mais par exemple, Stéphane Breuer, c'est un artiste qui travaille d'abord en digital, il travaille sur son ordinateur, il
conçoit complètement sa pièce et ensuite il y a un atelier qui va réaliser physiquement la pièce. Ça a un sens évident et d'ailleurs il a fait une vente la semaine dernière, il y a 15 jours, il y a eu la première vente en France aux enchères de NFT et ça, il a fait un très bon résultat sur cette vente. Les gens sentent bien ce truc. Donc quand ça a du sens, ça marche, on est au tout début et c'est vraiment très intéressant. Moi, j'étais dans l'Internet dans les années 97 et c'est ce qu'on dit 98-99. On dit qu'on est vraiment les NFT par rapport au monde de l'art, c'est Internet dans les années 97-98. Il faut vraiment essayer aujourd'hui plein de choses. Il y a des choses qui ne vont pas marcher, mais il faut essayer de comprendre pour pouvoir se positionner si on a envie, si ça a du sens. En tant qu'une personne qui va acheter une œuvre d'art, peut avoir la possibilité d'acheter une œuvre d'art avec un certificat papier. Et aujourd'hui, il peut avoir ce passeport digital grâce à Arteia. Est-ce qu'on peut aller sur Arteia et se dire quelles sont toutes les œuvres qu'on peut trouver avec ce passeport digital ? Alors, pas encore. Pour l'instant, on a encore cette problématique justement de droits de propriété intellectuelle. Donc, on est en train de discuter avec les artistes avec qui on travaille, les galeries, pour savoir si on va réussir à faire ce catalogue global ensuite. Mais en tout cas, ces informations, pour l'instant, elles ne sont pas publiques. C'est-à-dire que je ne peux pas aller sur un site web et toutes les voir. Mais les informations sont dans des bases de données encryptées et sécurisées sur la blockchain. Et donc, les artistes qui ont utilisé notre solution de puce, quand je télécharge l'application d'Arteia d'authentification et que je suis face à une de ces œuvres, je vais pouvoir scanner l'information et accéder au certificat digital, au passeport digital. Donc, on a vu le premier point donc, au niveau acheteur. Maintenant, niveau artiste, est-ce que demain, quel est le business model en fait, d'Arteia ? Est-ce qu'il y a des fees ? Est-ce qu'il y a aussi des fees sur les royalties ? C'est vrai que, comme tu l'as dit, très intéressant pour ces artistes de proposer des royalties. Comment Arteia accompagne les artistes? Alors, c'est ça, je préfère que les gens nous contactent pour en parler, mais c'est un business très modèle. Pour faire très court, en gros, une puce, ça vaut 5 euros et l'abonnement à la plateforme qui permet de gérer le fait de dire je suis un artiste, je crée une nouvelle œuvre, donc je crée son passeport digital et j'associe la puce 42 à cette œuvre, ça coûte en gros 500 euros par an. Donc, pour un artiste. Donc, les artistes peuvent nous contacter et puis on discute avec eux. La couche NFT n'est pas du tout obligatoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on a des solutions technologiques qui permettent d'aller d'un bout à l'autre, de l'œuvre physique jusqu'au NFT. Mais c'est d'abord une œuvre physique avec la puce qui permet d'avoir un certificat d'authenticité digitale sécurisé sur la blockchain. Ça, c'est extrêmement important et c'est déjà un progrès incroyable par rapport au monde classique de l'art. Et ensuite, dès qu'on est dans ce monde digital, le fait qu'on ait ce passeport digital, à ce moment-là, c'est très facile de créer un NFT qui est relié à ce passeport digital et donc à l'œuvre physiquement via la puce NFC. Donc, on a ce lien global. On a aussi beaucoup travaillé sur l'extension en fait, de plein de certificats. L'extension de plein de certificats, c'est ce qu'on appelle dans le monde de l'art un catalogue raisonné. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est un catalogue raisonné d'un artiste ? C'est la liste des œuvres reconnues par cet artiste ou par sa famille ou par la société quand il est mort, ce qu'on appelle un estate, c'est-à-dire la société, l'entité qui va gérer les droits de cet artiste. C'est extrêmement important. Quand j'achète un tableau et que je veux le revendre ensuite, par exemple, si j'ai la chance d'avoir un Picasso et que je veux le revendre chez Christie's ou Sotheby's, la première chose que Christie's et Sotheby's vont faire, c'est de me demander l'identifiant de ce tableau et d'aller vérifier si ce tableau existe dans le catalogue raisonné de Picasso. C'est-à-dire, est-ce que, avant même de savoir si celui que j'ai derrière moi, c'est un vrai, bon ça, c'est pas un Picasso, mais si le tableau que j'ai devant moi est un vrai, je vais voir s'il existe. Est-ce que dans l'histoire de l'art, on l'a vu ? Est-ce qu'il était dans des musées ? Donc ça, c'est le catalogue raisonné. C'est la liste des œuvres reconnues par un artiste. Dans l'histoire, ça existait sous forme de papier. Évidemment, c'était obsolète tout de suite, puisque dès que l'artiste avait créé d'autres œuvres ou qu'on trouvait d'autres œuvres qui n'avaient pas encore été inventoriées ou tout simplement qu'un tableau était exposé dans une exposition d'une rétrospective de l'artiste, tout ça, ça donnait des informations très importantes quant à la provenance d'une œuvre d'art et il aurait fallu à chaque fois refaire une édition du catalogue raisonné. Donc, on a créé pour les artistes un catalogue raisonné digital. Donc, en gros, c'est plein de petits certificats d'authenticité de cet artiste, tous les certificats de toutes les œuvres qu'il reconnaît avoir créées.
Et de nouveau, pour sécuriser cette information, ce catalogue raisonné, il est sécurisé sur la blockchain. Donc, on a vraiment, quand on consulte ce catalogue raisonné, donc on a travaillé par exemple avec l'artiste Hélène Delprat. Donc, si vous allez sur Internet, Hélène Delprat, vous allez voir le catalogue raisonné digital qui a été créé par Arteia et qui est sécurisé sur la blockchain. Donc, quand je vérifie qu'une œuvre existe, je suis certain que cette œuvre, effectivement, a été reconnue par l'artiste qui a signé digitalement un certificat et qui a été sécurisé sur la blockchain. Merci Olivier pour toutes ces réponses. Si les personnes veulent avoir plus d'informations sur Arteia et toi, comment faire pour vous contacter et avoir plus d'informations? Arteia.com et olivier@arteia.com par email, olivier@arteia.com pour me contacter avec grand plaisir. Et je suis sur LinkedIn aussi. Super, ben, je mettrai les liens. Merci Olivier. Merci à toi, Franck. À bientôt. Ciao. Ciao.